Bonjour à tous, c'est Kento Ethnique. J'espère que vous allez bien. Voilà, moi, ce matin, je viens vous présenter, vous faire une démo, comment faire son propre shampoing. Excusez-moi, comment faire son propre shampoing avec le savon noir et du bicarbonate. Donc, c'est deux ingrédients juste pour faire un shampoing que vous allez, un shampoing 100% naturel que vous allez utiliser. Pour vos cheveux, même pour. C'est une lotion lavante que vous allez utiliser pour vos cheveux, pour le corps aussi. Voilà, parce qu'il n'y a rien de chimique dedans. Donc, c'est des produits qui conviennent à la peau et aux cheveux. Surtout le savon noir africain, il est utilisé pour tout le corps. Le savon noir africain est utilisé pour tout le corps. Donc, voilà, il se présente comme ça. Vous voyez, c'est ce pain de savon noir. Hein. C'est fait d'une façon traditionnelle. Il n'y a pas de produits chimiques. Et dedans, quoi, c'est à base de quoi? Donc là, vous avez. C'est composé de cendres de cendre végétales. Hein, de cendres végétales, de cabosse, de cacao, de pelure de banane. Pelure de banane plantain. Quoi encore? Vous avez du beurre de karité. Du beurre de karité, de l'huile de coco, de l'huile de palme. Donc, il est à 100% naturel, sans produit chimique, fait d'une façon traditionnelle à la main. Voilà. On l'utilise de la tête aux pieds, donc pour le corps et le cheveu. Son action, c'est quoi? Il nettoie en profondeur l'épiderme. Il nettoie en profondeur l'épiderme, donc c'est-à-dire la peau. Moi, je l'utilise déjà pour faire, je l'utilise ce savon-là pour me démaquiller. Hein, je l'utilise après avoir démaquillé. Si je me suis maquillée, je me démaquille d'abord avec une lotion démaquillante. Après, à la fin, j'utilise le savon noir pour compléter le démaquillage. Et il prévient aussi l'apparition des rides. Le savon noir africain prévient aussi l'apparition des rides, apaise le feu des rasoirs pour les hommes qui se rasent. Hein, vous savez, parfois c'est enflammé avec la lame, tout ça, ça enflamme. Donc ça apaise aussi, ça apaise les feux du rasoir. Et qu'est-ce que ça fait encore? Ça traite aussi l'eczéma. Pour les personnes qui souffrent d'eczéma, le savon noir africain est vraiment très bien pour traiter l'eczéma. Excusez-moi, je disais l'examen. Pour traiter l'eczéma. Donc, c'est bon pour la peau, c'est bon pour les cheveux. Qu'est-ce qu'il apporte aux cheveux? Aux cheveux, il vous apporte, il nourrit la fibre capillaire. Il apaise le cuir chevelu, il calme les démangeaisons, élimine les pellicules et nettoie sans agresser. Donc je dis pour les cheveux, il nettoie, il nourrit la fibre capillaire, il apaise le cuir chevelu, calme les démangeaisons, élimine les pellicules et nettoie sans agresser. Voilà. Et comme vous utilisez le savon noir. Après, pour avoir lavé le visage, le corps avec le savon, il faut toujours hydrater votre peau parce que le savon dessèche la peau. Comme ça dessèche la peau, ça dessèche aussi. Ça nettoie en profondeur, du coup, ça dessèche. Donc après, il faut nourrir la peau avec une crème pour le visage, pour le corps, ce que vous voulez. Et pour les cheveux, vous utilisez soit un sérum qui convient au cuir chevelu. Chez nous, nous avons un sérum boost à base de gingembre, ou un sérum boost qui va hydrater, nourrir votre cuir chevelu, hydrater votre cuir chevelu et favoriser aussi la peau. Donc, nous avons ce sérum-là. Excusez-moi, je coupe mon téléphone. Voilà. Excusez-moi, c'était une cliente. Donc voilà, vous avez ça. Le savon noir. Et dans notre shampoing, nous allons aussi ajouter du bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude est efficace pour éliminer l'accumulation d'huile, hein, pour éliminer les impuretés. Hein, voilà, pour éliminer les impuretés. Le cuir chevelu, si vous avez trop, mais surtout quand vous utilisez les pommades du marché, hein, ça a tendance à s'accumuler, ça a tendance à faire des. À s'accumuler, c'est une accumulation de gras, tout ça. C'est gras.
Donc, le bicarbonate, sert à éliminer toutes ces huiles-là, hein, ces pommades-là qu'on a trop sur la tête. Donc, ça nettoie aussi en profondeur comme le savon noir, hein, que j'ai présenté tout à l'heure. Et puis, le bicarbonate, moi, je l'utilise aussi pour faire mon gommage, hein, pour faire mon petit peeling naturel, sans produits chimiques. Donc, je prends le bicarbonate de soude pour faire mon peeling au moins toutes les 2 semaines. Voilà, au moins toutes les 2 semaines, je fais mon peeling avec ça. Quand je n'utilise pas un gommage normal, j'utilise ça pour faire mon gommage, donc pour faire mon peeling. Ça nettoie vraiment en profondeur. Après, quand ça dessèche aussi, donc il faut toujours nourrir sa peau, hydrater sa peau avec une crème après. Voilà, comme pour les cheveux. Donc, vous le trouvez où vous pouvez le trouver, hein, au supermarché. Moi, je le prends au supermarché, hein. Et si moi je le prends au supermarché, peut-être on peut se le trouver aussi au marché aussi. Et il est utilisé, donc il est utilisé aussi dans la cuisine. Il est utilisé en cuisine, il est utilisé dans les médicaments, hein, les médicaments qu'on avale, hein, il est utilisé dans les médicaments. Donc il est utilisé aussi dans le nettoyage, dans les produits de beauté. Et il est utilisé comme un shampoing. Pour favoriser aussi, pour accélérer aussi la pousse des cheveux. Mais je dis toujours, quand vous utilisez ça, faut toujours hydrater. Ne dites pas que voilà, je vais utiliser le bicarbonate de soude pour faire pousser mes cheveux. Non. Hein? On n'utilise pas le bicarbonate de soude tout seul. Quand vous utilisez le bicarbonate, si vous avez utilisé un produit à base de bicarbonate ou vous avez utilisé un shampoing au bicarbonate, que nous allons faire la démo tout à l'heure, mettez toujours hydratez après le cuir chevelu ou la peau, parce que ça a été desséché quand même. Comme ça nettoie en profondeur, ça enlève déjà tout ce qui était gras. Donc, vous renouvelez en mettant en hydratant. En hydratant et en nourrissant votre peau ou votre cuir chevelu et vos cheveux. N'oubliez pas. Voilà. Donc, c'est du bicarbonate de soude. Et puis, voilà. Donc, c'est du shampoing au savon noir. Hein, 100% naturel. Des produits qui ne font que du bien à vos cheveux et non qui vont les agresser. Alors, là, je vais baisser la caméra. Hein, je baisse la caméra. Je la mets là. Comme ça, nous allons commencer notre démo. Donc là vous avez le récipient, hein, j'ai le récipient, c'est la bouilloire. Voilà, j'ai le récipient, j'ai le bicarbonate de soude. Non, ça c'est le verre gradué, hein, pour mesurer l'eau. Mais si vous n'avez pas de verre gradué, vous pouvez utiliser une bouteille d'un litre, parce que là on va faire 1 litre. 1 litre de shampoing, de lotion lavante. Donc vous prenez n'importe quel truc qui fait au moins 1 litre ou bien 10 ml, ça dépend de vous. Et le savon noir et de l'eau chaude que nous allons chauffer. Là, je mets ma bouilloire. Ça va faire un peu de bruit. Désolé pour le bruit. Et là, nous allons râper notre savon noir. Voilà. On va râper le savon noir. Vous voyez? On va le faire sur le papier. Après, je mets le noir. Fuite, hein. Donc, on peut prendre même un couteau. Je vais le prendre l'économe. On va prendre un couteau. On va prendre le couteau, c'est pour la fuite. Désolé pour le bruit. Allez, on fait des compos. Voilà. Vous voyez? Tranquille. Voilà.
l'ai mis qu'elle enregistre hein, cette vidéo, sinon j'aurais fait pour rien. Hein. Oh là là, j'aurais coupé le savon noir, c'est le dernier qui me reste. Oh, je prie Dieu que ma vidéo elle est vraiment en marche là. Voilà. Nous avons notre savon noir qui est bien effrité. Voilà. Rapide. Là, je mets dans mon récipient des frites. Je vais vous montrer les frites. Parce qu'il y a moins de gros morceaux quoi hein, pour que ça se puisse vite se dissoudre avec l'eau chaude pour que l'eau elle soit vraiment très chaude. Vous pouvez même utiliser faire même une infusion d'une plante que vous connaissiez qui est bien pour les cheveux hein, vous faites cette infusion là et avec cette l'eau de l'infusion avec l'infusion vous à la place de que ça soit de l'eau au lieu que ça soit de l'eau pure ça pourrait être une infusion hein, d'une plante qui convient aux cheveux. Qui convient aux cheveux et à la peau. Comme ça, vous l'utilisez pour le corps et les cheveux. Voilà. Voilà. On se salit les mains quand même. Et je prends mon verre gradué. Voilà. Je mets de l'eau chaude. Et là, mon verre gradué, il fait 500 ml. Et voilà. Et là, maintenant, je prends un fouet et essayer de remuer jusqu'à ce que ça fonde. La couleur noire du savon noir est due aux cendres parce que comme c'est de la cendre, c'est la cendre végétale, donc c'est normal que ça, que ça soit noir. Hein. Voilà. Ici, fond de savon. Voilà. Un peu du tout. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Voilà, vous voyez, il reste quelques morceaux. Je monte la caméra pour que vous voyez. Hein, vous voyez. Voilà. Il n'y a presque plus de morceaux. Je continue de remuer. On peut l'utiliser pour le corps et le visage. Parce que ce qui est les ingrédients qu'il y a dedans, le savon noir et le bicarbonate de soude, sont bien pour la peau et les cheveux. Ouais. Donc, c'est une lotion 2 en 1. Pour le corps et les cheveux parce que le savon noir africain est utilisé pour le corps et les cheveux. Le bicarbonate de soude aussi est utilisé pour le corps et les cheveux. Et même l'organisme, le bicarbonate de soude. Voilà. Voilà. Et je vous dépose la caméra. Et après, nous allons prendre notre
bicarbonate de soude. Donc on met juste une cuillère à soupe. Une cuillère à soupe. La caméra pour que vous voyez ce qui se passe. On remue, vous remue, vous remue, vous remue. On se mélange bien. Et c'est bon. Voilà. Voilà. Donc vous avez votre shampoing. 1 litre. C'est bien aussi si vous avez un salon de coiffure, faites votre propre shampoing. Hein. Ça va vous coûter moins cher et c'est naturel. Voilà, là j'ai 1 litre de shampoing, de lotion lavante pour le corps et le cheveu. Voilà. Et vous mettez dans un récipient que vous voulez, hein. Excusez-moi. Je remets la caméra. Voilà, donc c'était pour vous présenter comment faire son propre shampoing, hein, avec juste deux produits, le savon noir et le bicarbonate de soude. Voilà. Et un shampoing qui fera, une lotion qui fera du bien à votre peau et à vos cheveux. Et n'oubliez pas d'hydrater, de nourrir vos cheveux après avoir utilisé la lotion lavante. Allez, je vous dis merci. Et merci de m'avoir suivi. Et à bientôt sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas de vous abonner, c'est gratuit. Hein. Donc, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page aussi Facebook, Kento Ethnique. Et Kento Ethnique est situé aussi à Abidjan, en Côte d'Ivoire, à la Riviera 3, au Carrefour Faya. Voilà, donc vous allez avoir toutes ces informations sur notre page Facebook Kento Ethnique. Je vous dis, je vous souhaite une bonne et belle journée. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci. Ciao.